Alors, je suis un produit né d'une réflexion sur le marketing que j'ai eue. En fait, je trouve que dans notre société actuelle, avec la présence des médias sociaux, on est devenu nous-mêmes un produit, c'est-à-dire qu'on se marketise soi-même avec les posts qu'on met, avec les images qu'on donne même. On veut contrôler la perception que les gens ont de nous. Et aussi, c'est né suite à un article que j'avais lu sur une épicerie, comme quoi c'est le lieu où on essaie le plus de manipuler les consommateurs en plaçant les produits à différents endroits. Et donc, ça a donné la pièce « Je suis un produit ». Donc, voici en gros l'histoire. Dans « Je suis un produit », on suit une immigrante marocaine dans la quarantaine, Jihan, qui a un doctorat en anthropologie et qui a de la misère à trouver de la job. Elle est musulmane non voilée. Elle se rend compte qu'il est souvent considéré comme une minorité pas assez visible pour les futurs employeurs. Donc finalement, elle va mettre le voile pour passer une entrevue, se fait engager par une compagnie de marketing sur le déclin et se retrouve pognée avec un voile qu'elle n'a jamais voulu dans sa vraie vie. Voilà. Ben oui. Et le président de la compagnie, ben c'est Jeff, un gay bitch, un peu pas de filtre, funny fun, qui est en peine d'amour, fait que ça va pas très bien. Et il va décider en fait d'utiliser le talent et la technique de marketing de Jihan pour reconquérir en fait son ancien amant. Et son ancien amant, c'est Alex, un entrepreneur très 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 hot, très à la mode, un espèce de dragon avec des longues dents. En fait, il a une confiance énorme en son potentiel. Ouais. Et il a fait une bourde, en fait, il a fait une entrevue à la télé et il a fait vraiment une blague de très mauvais goût sur les Arabes. Donc, il va essayer de retourner à la compagnie de marketing, justement, on va essayer de le sauver. Éviter le naufrage. Hein? Éviter le naufrage, en fait. Voilà. Plaisir de vous y voir.